Nous n'avions pas voulu que le Festival des Jazz de Saint-Louis sombre dans l'oubli après une annulation et une deuxième annulation. Et quand on l'a décidé, c'était vers la fin de Covid, ou quand au moment où la pandémie était en phase de diminution et que les autorités avaient pris les mesures de lever certaines interdictions. Et là, on y a réfléchi et on a pensé que Saint-Louis-Jazz ne devrait pas tomber dans l'oubli. Et il peinerait après à ressurgir. Et comme je vous le dis aussi, Saint-Louis-Jazz est une machine avec des éléments qui sont extrêmement, extrêmement outillés et qui est aussi motivé aussi pour porter porter cette flamme très haut. Et comment ça va se passer l'organisation vu que la place Faidherbe est occupée par des travaux? Bon, vous voyez, madame, la place Faidherbe est en instance de requalification. Le festival se passait là-bas tous les ans. Cette année, on n'a pas d'endroit, on n'avait pas d'endroit où le faire. On a visité partout, ce n'était pas possible. Et les délais étaient très courts. Et l'Institut français s'est offert pour nous offrir le cadre. Et on a pensé qu'on devait le faire à minima. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'un festival à minima, oui, mais avec les mêmes difficultés, les mêmes émotions, la même ardeur aussi, c'est extrêmement important. Hommage à Goldberg Diagne, cette année, pour Goldberg Diagne. Alors, pour vous revenir un peu sur les motivations. Les motivations, c'est que Goldberg, c'est une icône à Saint-Louis. Goldberg, c'est votre confrère, le journaliste. Goldberg, c'est un sportif. Goldberg, c'est un homme de culture. Goldberg, c'est l'homme du théâtre aussi. Goldberg, c'est l'homme de la télévision. Goldberg, c'est un enfant de Saint-Louis qui porte très haut sa Saint-Louis-journalité, qui a formé certainement pas mal de journalistes parmi vous, qui a créé un organe de presse. Goldberg, c'est extrêmement important. Et Goldberg portait Saint-Louis jusqu'où dans son cœur, et voulait le mettre sur des fonds baptismaux, et il a réussi. Et ce qui est remarquable, c'est que Goldberg n'avait pas de moyens financiers. Il n'avait que cette aura, sa belle langue pour parler et développer Saint-Louis. Et il était suivi. Moi, je m'en souviens très bien, il m'accompagnait au niveau des autorités pour nous dire que voilà, le nouveau président de Saint-Louis est des Saint-Louis. Bon, on n'a pas un deuxième Goldberg à Saint-Louis. Goldberg, il est irremplaçable. Saint-Louis est orphelin de Goldberg. Vraiment, nous ne pouvons faire que ça, lui rendre hommage. Malheureusement, c'est un hommage qui... Bon, lui rendre hommage, certes. On avait pensé rendre hommage l'année dernière, il y a 2 ans, à Randy Weston. Deux sont décédés après, et Goldberg est là. Mais je pense qu'à travers Goldberg, nous rendons hommage aussi à tous les musiciens qui sont partis durant cette pandémie. Et tous ceux qui sont partis, et des amis de Saint-Louis-Jazz, des Saint-Louisiens, des Sénégalais, des hommes de culture. Figurez-vous, Moustapha Soura devait, il y a un moment, présider une conférence de lancement sur le patrimoine de Saint-Louis. Vous l'avez dit, la pandémie a lourdement affecté même le secteur touristique et ouais. Cette édition vient pour sauver ce secteur. Tout à fait. Oui, cette édition vient contribuer à sauver le secteur du tourisme. Figurez-vous, cette année, nous sommes dit, écoutez, c'est Saint-Louis. Saint-Louis se meurt, on va sauver Saint-Louis. On va essayer de montrer à tout le monde qu'on peut faire avec Covid. On peut vivre avec le virus. On peut travailler, on peut marcher, on peut s'amuser avec le virus en respectant les mesures barrières. Et là, il faut féliciter le ministère de la Santé qui a accompagné de nous accompagner. Et l'ensemble des ministères aussi. Et même le grand théâtre était proposé pour nous,
pour nous faire organiser cet hommage à Goldberg Diagne au Grand Théâtre. Mais on s'est pris trop tard et on ne pouvait pas l'organiser. Et vous voyez, on vous donne un emplacement qui coûte 5 millions de francs, vous peineriez à remplir ce Grand Théâtre-là. Et c'est pourquoi, avec l'accord du maire et avec l'accord des autorités Saint-Louisiennes, et puis, comme je dis, Saint-Louis, de nous fuir à Saint-Louis, vous le faites à Dakar, vous recevrez toutes les tuiles du monde sur la tête. Et c'est pourquoi on a préféré revenir chez nous et le faire sur le bateau. Qui est Wolof? Je dirais que c'est le grand d'art. Nous avons décidé de faire le festival, de le lancer. Moi, je fais que 9 février, nous avons gagné. Saint-Louis, la première organisation qui a été créée, qui a été créée pour que les gens puissent vivre avec le virus. Nous avons réussi. Avec l'appui du ministère, du président de la République d'abord, qui tous les ans apporte sa subvention. L'appui du ministère de la Culture, moi je suis le ministère de tutelle, qui nous a appuyé encore, appuyé avant la lettre, tel le Nyo Bion. Nous avons eu aussi l'appui du ministère du transport aérien à travers l'ASPT. Nous avons aussi d'autres appuis, Monument Sténiep, avec les anciens sponsors, mais il y a que Diop. Mais aujourd'hui, les Wayanani, de Kibiep, qui s'est dit, mais il y a que tout. Si le programme est maintenu, quand on a fait place fédérale, on a fait le soir, c'est vrai. Un programme. Faire place fédérale, on a fait des travaux. Oui, on a fait des travaux. Il y a eu des travaux de requalification place fédérale. Dès que l'année, on a fait une place piétonne. Et vous parlez aussi, il y a des installations qui vont permettre que les conseils et les barres ne soient pas déroulés. Institut français qui est nord fini sur Raoul. Il faut passer où avec l'appui de la France. Voilà, évidemment, parce que l'Institut français, c'est l'ambassade de France, le ministère de la Culture, le SCAC. Bon, donc, nous avons organisé. Sinon, il y a Nous avons fait aussi. Mais il y a une installation, ils se sont offerts vraiment. Nous avons fait l'édition de Goldberg. Goldberg, nous sommes tous connus. Goldberg, homme de culture. Goldberg, homme de théâtre. Goldberg a fait du cinéma. Goldberg a fait du sport. Il était dans le sport aussi. Goldberg était dans la communication, a créé organe de presse. Goldberg n'est aussi un homme de Dieu. Un homme qui s'est passé à une manifestation qui s'est passée à Moudjot. Il a été mobilisé de Kibiyep, à Kadlebiyep, et il a été dit. Il a été fait pour le cimetière.
ñaanon na lolu pandémie nak taxna lolu yépp kenn amuko man da na partager scène bi ak mom waaw té fu nek and na fa ak man pour demander ñu appuyer Saint Louis yakene Saint Louis yépp buñ defone Golbert def ah yakar na ni Saint Louis leen lañuy wax parce que Saint Louis yi man dama nan waru ñu ñëw à Saint Louis les pieds devant moy ñëw dès dire indi dal pour ñu dent la fi ci sa dund nga wara ñëw impliqué wu moy message bi am mais envoyé bi adressé aussi moy que fondation donné ko bëgg def Saint Louis pour impliquer les Saint Louisiens mais fondation bo muñul taxaw gi ci ñu élan bobu dal ñi ñëw dal vraiment dal mbir mi dal war na dal ñi war na Saint Louis war nañ ko japp téy ko bu baaxa baaxa baax amna benn cas bu mënon cité moy le cas de Marsette benn village bo xamni 1300 habitants la mais festival bi motax c'est festival international bobu motax ñu xam Marsette Marsette festival bu amé il y a 900 bénévoles dans la ville qui travaillent dans le festival, qui travaillent partout pour tenir compte personnel, qui créent beaucoup de choses. Et en 15 jours, Marsillac, toute la région de Marsillac, toute une région s'enflamme pour le festival et toute la France. Donc, vite village rek là. Donc, les gens qui ont fait, ils ont fait, l'essentiel est que les Saint-Louisiens, Bolo, André, Diapon, Diapodo, Andendo, vraiment tirer dans le même sens pour Dach. On a même Ardegel Bert, avec Ningbrion Golbert. Té Golbert xam bu fi nekkon xam na ci na mu lol trop ngeen dem bi ngeen ñew pour sauver tourisme dal té inshallah vraiment vous avez raison parce que néna ministère du tourisme ak ASPT qui c'est votre festival festival bi c'est un festival là parce que vous faites de la promotion touristique bi Saint Louis jazz moko def jazz bi prétexte là pour lancer le tourisme prétexte là pour la culture, prétexte-le, diversité culturelle, prétexte-le pour que tu puisses mener ta haut. Donc, le bon ami, n'y est pas dans qui jap. Tes items, n'y a jamais ni item. Là, n'y organisé un peu partout en ville. C'est très bien, mais n'y a ni ramni. C'est un diable motard. N'y organisé. C'est un diable motard. N'y mener ta haut. C'est un diable motard. N'y a mener. Donc, faut nous labelliser. Faut nous dégager signe pour que nous labellisions pour que sécurité bi. Parce que début, on a dépensé de l'argent pour la sécurité. Parce que la sécurité incombe aux organisateurs. Donc, nous avons dit que 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 nous avons d